Hello tout le monde, c'est Brodaf. Nous voici ensemble pour le 32e épisode de Medieval Dynasty. Attendez, je vais juste vérifier que c'est bien le 32. Oui. Voilà. Alors, j'ai été regarder un peu sur internet le deuxième, le storage niveau 2. Donc le stockage des ressources niveau 2, il demande une trentaine de planches, donc ça j'en ai que 15, je pourrais en faire, c'est pas problématique, mais il demande surtout 92 de rondins. Et 92 rondins, c'est beaucoup trop. Donc je vais pas le faire tout de suite. Par contre, je pourrais essayer de débloquer la taverne, puisque la taverne, il faut 2. 150 points, je crois. Ah non, il faut 1500. Non, ça c'est la deuxième. Elle est où la première? Je l'ai déjà débloquée? Oh! Et ça change tout. On va aller faire une taverne. Alors, il me faut quoi pour la taverne? C'est la forge. Atelier. Il me faut 10 rondins. Ok. Donc ça, on va aller piquer des rondins. Hop. Alors. Voilà. Et on va aller la faire devant. Bâtiment, production, une taverne. Voilà. Donc maintenant, il va me falloir plein de bâtons. 3, 4, 5 rondins. 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 et 15. Ouais, il va m'en falloir plein. Hein. Alors, hop. On va prendre la paille déjà. Hop. Wow. Peut-être se refaire un bâton. Il faut des bâtons pour ça. J'ai plus rien. Bon, on va déjà aller faire ce qu'on peut avec ça. On va aller glaner des bâtons. Et comme par hasard, quand on en a besoin, on n'en trouve pas.
On va se refaire donc un marteau. Voilà. On va aller déjà s'occuper avec ça. Donc, hop, et un mur. Voilà, donc les murs, c'est fini. On va poser la paille déjà. Puis on ira rechercher les rondins manquants après. Donc il m'en manque 2, 3, 4, je crois, c'est tout. Voilà. Et voilà. Donc, on a notre taverne. Alors, il faut y assigner quelqu'un. Je me demande si on n'avait pas quelqu'un qui glandait. Non. Eh ben on y a. Si, on a elle qui glande. Enfin lui. Hop. À la taverne. Ouais. Voilà. Avec quelques petites souches là-bas qu'on pourrait aller ramasser. J'en avais qu'une seule, non, il y en avait plus, là, voilà. Puis on va continuer à couper du bois.
Parce que les stocks de rondins, c'est plus ce que c'était, hein. Alors, quelle heure il est? 23h. Donc, on va bientôt se faire téléporter. Normalement, du moins. Fabriquer un peu de bois de chauffage, voilà. Histoire de faire patienter les. Bon alors je vous reprends au petit matin. Et voilà, donc la nuit s'est terminée et on a un petit événement. Donc un noble passait par votre village, il a perdu sa bourse devant vous, que ferez-vous? Donc soit on laisse le peuple avoir pour leur donner du moral, soit on le rend au noble qui nous donne une de la réputation, mais on baisse le moral des gens, ou alors on le prend pour nous, on gagne de l'argent et on fait baisser encore plus la réputation. Alors, on fait baisser plus le moral plutôt. Donc, vu qu'on a besoin de réputation, on va la rendre aux nobles. Parfait. Donc, ils ont perdu de l'humeur, hein. Le noble est satisfait, dit que vous êtes un homme d'honneur, mais votre peuple a voulu pour lui-même et est un peu contrarié. Bon, ça, c'est pas très très grave. Je pense en tout cas. Défi. Ah! Les défis. Il existe des tâches spéciales commandées par le roi lui-même. Le moment est venu. Le héros se présente à la taverne de Costovia ou de Hornica. Une icône spéciale apparaît sur la boussole. En lui parlant, vous pouvez choisir si vous acceptez, si vous voulez accepter l'un des défis. Ceux-ci ne sont pas obligatoires ou faciles, mais la réussite du défi sera accompagnée de grandes récompenses. En plus d'augmenter considérablement la réputation de votre dynastie, vous pourrez également renforcer votre relation avec le roi. Mais attention, si vous échouez, vous serez puni de la même manière. D'accord. Alors, ma charmante femme. Il nous manque des matériaux d'artisanat. Oui, bah oui, d'accord.
C'est prévu. Ah, on peut l'envoyer payer les taxes maintenant. D'accord. Alors, on va s'alléger un petit peu. On va déposer. Qu'est-ce que. Ouais, on va déposer les rondins. Voilà. Et on va déjà aller ramener le bois de chauffage. Mince, je suis remonté trop haut. On a froid. Ok. Hop. Voilà. On va prendre une pelle parce que la nôtre est bientôt endommagée. Enfin, elle est bientôt détruite même. Faut retrouver sa maison. Ça doit être celle-là. Ouais. Hop. On prend les rondins. On n'a aucun objet dedans. Aïe aïe aïe. J'étais persuadé que j'avais d'autres équipements. Bah, falloir qu'on en achète ou qu'on les fabrique. Hein. Voilà. Alors, tant qu'on y est, le tailleur, est-ce qu'on peut fabriquer des choses? Il faudrait pouvoir débloquer. Tissu en laine, tissu en laine, tissu en laine. On n'a pas la technologie. Ok. Et la fourrure? On peut rien fabriquer avec la fourrure. C'est un peu idiot quand même. Attendez, ne quittez pas. Et voilà. Alors, j'étais regardé sur internet. J'ai pas le level requis pour fabriquer avec de la fourrure. Il me faut 1000 d'artisanat pour ça. Technologie. Donc à mon avis, ça doit être la. Voilà, la laine, ce sera la hutte de couture. Voilà, et ce sera tout ça. Ok. Alors, on va aller revendre des petits paniers. Ah bah, elles sont là, mes bottes. Ah, je savais bien que je les avais pas qu'à jeter quand même. Alors, on va les revendre. Ils s'en sont pas servis, donc on va les revendre tout ça. Voilà. Et on va les revendre. J'en ai pour 10 kilos. Hein. Voilà. Alors, dans mon inventaire habillement, on va mettre les bottes en fourrure, la capuche en fourrure. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux. Ouais, la jauge au niveau du gel remonte, donc ça va aller mieux, ouais. Bâton, mais je suis déjà chargé, donc on les prendra au retour. Puis on va aller voir ce que c'est cette quête de héros, les défis là.
Dans la gestion, il y a un truc que je voulais régler. C'est l'abri d'excavation. Voilà. Ah bah il faisait rien du tout, l'abri d'excavation. Alors de la pierre, j'en ai pas mal. Par contre, du calcaire, j'en ai pas du tout. Voilà. Et puis de l'argile, je peux en refaire. Hein. 60, 80. On va en refaire autant que de la pierre. Voilà. Parce que y a pas de stock. Hein. Voilà, et on a bien quelqu'un dedans, donc ils ont plus de hache. Ah mince, alors on va finir ce qu'on avait commencé. Ah, j'ai plein de quêtes chez moi. Alors, Gustavia, hop. Ça a pas l'air. Non, ils avaient dit que c'était pas Gostovia. Ouais, mais Gostovia, on va pouvoir y revendre des paniers. Et l'autre, je sais pas trop. Un sale léger. On pourra prendre des trucs sur la route comme ça. Mais j'ai pas mes 500 points de mes 5000 de dynastie, c'est quoi ça? J'étais persuadé. Alors. Donc, on va te revendre. Voilà. Se revend bien ces trucs volés quand même. Voilà. Et on va lui racheter des graines peut-être. Graines carottes. Ouais, on va essayer de planter des carottes cet hiver. Voilà. Adieu. Personne n'a une petite quête à me donner. Non. Eh ben, on va aller voir le héros alors. Combien il me reste de pièces? 600. Ouais, il va falloir que je fasse du stock quand même pour le printemps. Hein. Mais ça me laisse de quoi quand même débloquer certains crafts, je pense. Hop, on va prendre un peu de pierre sur le trajet, histoire de. Voilà. Alors, je commence à être surchargé, c'est pas bon ça. Donc, on va refaire des haches, voilà. Voilà. Sera aussi rapide. Et on va aller voir le héros.
Donc, j'espère qu'il ne me demandera pas trop de sous si jamais il demande de l'argent. Que sinon, ça va être compliqué pour payer les taxes. Qu'il est loin, ce héros. Là, donc il serait qu'ils avaient dit à la taverne. Alors là, il n'y a pas de quoi y rentrer. Bah mince alors. Voilà. Alors, ça doit être lui. Non. C'est lui. Alors, hein, le roi, hein, j'ai une... Alors, quel est l'âge réel du roi? 3 à 34 ans. Ok. Le roi ne vous connaît pas trop bien, vous et votre peuple. Ok. Le roi va organiser une grande cérémonie de mariage pour un membre de sa famille. Il demande à tous ses sujets de fournir de l'or pour cet événement prestigieux. Ah. Merveilleux, j'attendrai votre livraison. Si vous ne voulez pas tout transporter ici, n'oubliez pas que vous pouvez le laisser dans votre stockage à condition d'en avoir un et de m'en informer. Je le récupérerai plus tard. Ok. Tu parles. Alors, 1500 pièces! Waouh! D'accord. Alors, bon. C'est faisable. On a encore plein de paniers à livrer. Donc, on va retourner au village, récupérer des paniers, les livrer, on va fabriquer plein de choses. Inventaire. On est gros. On est gros. Alors. On a aussi plein de quêtes chez nous. Eh bah, ça a été chaud.
Voilà. Alors des flèches, il m'en reste 5 en fer et 3 en pierre, c'est pas beaucoup, hein. J'aurais peut-être pas dû ramasser les loups, mais bon, pour une fois que j'en tue facilement et plein, enfin facilement, il y en a un qui a failli me tuer, mais... faut que je tourne vraiment sur la gauche. On va suivre ce chemin-là. Plus ou moins. Ce petit pont naturel et tout. On va passer par là. Ah, encore des loups. Non, on va essayer de l'esquiver, lui. Il va trop me ralentir, sinon. Je voulais pas te tuer. Idiot bête. Et c'est sur cela qu'on va s'arrêter pour cet épisode. Allez, ciao ciao tout le monde, à très bientôt.